Le lieu où il habite est un secret d'État. Impossible de le filmer de l'extérieur, ou même de montrer son quartier. Je peux pas tout vous dire, déjà pour commencer. Enfin, la maison, disons, est relativement inattaquable. Il y a des blindages, les fenêtres, les machins, les portes. Vitres et portes sont conçues pour résister aux balles. Deux officiers de sécurité lui sont affectés 24 heures sur 24. Il dispose même d'une pièce entièrement blindée, avec réserve d'eau et de vivres. Il faut casser un mur pour rentrer dedans, si vous voulez. Il y a un téléphone avec une ligne d'alerte, voilà. En cas d'attaque, ça permet de se réfugier avec la famille. Ça a été fait pendant une période très difficile. Voilà désormais 15 ans qu'il vit sous la menace islamiste, dans un silence qu'il juge assourdissant. C'est ça la vraie douleur. Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas de scandale. Alors que c'est un scandale. C'est un scandale dont pendant des années, tout le monde s'est foutu.